Salut. Cet enseignement s'adresse surtout à toi. À toi parce que tu en as un petit peu marre d'être confronté régulièrement à des problèmes de proctologie et de ne pas avoir le bagage suffisant sur le plan de l'enseignement pour aider tes patients. C'est vrai que c'est un problème vraiment fréquent qu'on rencontre en médecine générale, en gastroentérologie, en chirurgie, aux urgences. Alors quel que soit ton pédigré, d'où tu viens, quel que soit ton niveau de compétence, tu peux être simplement jeune interne, étudiant en médecine, interne de fin d'internat, chef de clinique ou médecin, mais finalement, tu as des trous dans la raquette et tu ne te rends pas compte qu'il y a des domaines de la proctologie que tu ne maîtrises pas. Tu as besoin d'un enseignement très simple, sous forme de tutoriel, de quelques minutes, pour appréhender les grandes prises en charge en proctologie élémentaire. Eh bien, cet enseignement est fait pour toi. Tu as 19 petites conférences très courtes qui vont de quelques minutes à une dizaine de minutes. C'est plutôt des tutoriels, c'est très pratico-pratique. Et si tu vas jusqu'au bout de cet enseignement, eh bien, tu te verras délivrer un certificat ou une attestation de société savante. Alors, ça n'est pas un diplôme universitaire, mais tu pourras utiliser cette attestation pour la validation de ton DES, pour pouvoir t'inscrire au DU de proctologie, que tu sois gastro-entérologue ou chirurgien. Cet enseignement théorique est très important, mais tu as aussi un enseignement pratique qui doit pouvoir t'aider parce que l'enseignement pratique, c'est très important. Il faut pour ça que tu trouves un tuteur ou un maître de stage qui puisse te proposer et t'inviter à venir à quelques vacations de consultation externe ou de chirurgie. Allez, à toi la main, inscris-toi, c'est parti.